Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ri qui vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer quelques notions supplémentaires au sujet du VMG, ou je devrais plutôt dire l'AVMG, puisque ça s'appelle en anglais Velocity Made Good, VMG, ce qui pourrait se traduire en français par une sorte de compromis entre le cap, c'est-à-dire la direction du bateau, et la vitesse de ce dernier. Donc, on pourrait parler de compromis cap-vitesse au lieu de VMG. Avec notre ami le bateau Star, que j'ai surnommé très affectueusement le fer à repasser dans une autre vidéo, je vous propose de tester cela. Nous n'allons donc pas choisir cet outil Best VMG qui permet de mettre notre bateau automatiquement dans la position la plus favorable entre le cap, la direction, et la vitesse. Nous devrons donc le faire nous-mêmes et vous verrez, ça n'est pas simple. Et vous pouvez donc aussi considérer que c'est encore plus compliqué pour des navigateurs qui se trouvent sur l'eau pour de vrai et qui n'ont pas tous les repères que nous avons, nous, dans un jeu tel que Virtual Regatta Inshore. Nous sommes à Sydney, en Australie, et je ne vais pas trop accélérer cette vidéo. Je vais d'abord juste me mettre face au vent. Voilà, vous voyez la petite manche à air rouge qui se trouve devant mon voilier. Eh bien, elle m'indique la direction du vent, et c'est cette manche à air que nous allons surveiller de très près lorsque la course aura commencé, de manière à ce qu'elle soit le plus proche possible de la couleur verte, ce qui est une indication fort utile, car lorsqu'elle est verte, eh bien nous sommes très proches de l'angle le plus optimal, c'est-à-dire le meilleur compromis cap-vitesse. Vous voyez qu'il y a ici, on ne le remarque pas vraiment, je vais essayer de changer d'angle de vue, vous voyez deux manches à air, une qui est la vraie et l'autre qui est un fantôme, dirons-nous. Et si je modifie, oulala, nous discutons et je vois qu'il ne reste que 18 secondes avant le départ, mais ça n'est pas grave. Le but de cette vidéo étant avant tout de vous expliquer cet outil, nous allons partir beau dernier, mais cela me permettra de vous donner plus d'explications sans risquer de trop me déconcentrer. Mais bien sûr, nous allons tout de même essayer de regagner quelques places. Alors là, typiquement, vous pouvez voir qu'en plus d'être dans la dévente de ce bateau, eh bien, je suis loin du Best VMG. Je vais m'approcher un peu. Malheureusement, les manches à air restent toujours de la même dimension que je zoome en avant ou en arrière. Alors regardez, maintenant, je vais légèrement loffer, ça veut dire me rapprocher, remonter le nez de mon bateau en direction de la source du vent et l'on voit la manche à air qui devient verte. Donc je suis théoriquement plus proche du VMG optimal, c'est-à-dire du cap le plus intéressant par rapport à la vitesse du bateau. Maintenant, lorsque je vire, eh bien je peux décider d'abattre un petit peu. Regardez, je décale à nouveau les deux manches à air, mon bateau prend de la vitesse, ça c'est vu là-haut sur le compteur de nœuds, et je peux maintenant virer. Évidemment, je le fais un peu au ralenti car je décortique chaque explication, chaque mouvement, donc nous n'allons certainement pas faire notre meilleur résultat aujourd'hui, mais c'est intéressant tout de même de bien comprendre comment ça marche, car c'est une notion qui vous permettra, si vous désirez jouer à ce jeu ou naviguer dans la réalité, d'être plus performant. Évidemment, c'est une chose que les navigateurs aiment, la performance, le réglage fin qui vous permet de gagner en efficacité, en rendement, en vitesse et bien sûr aussi en cap. Vous voyez que là, je descends beaucoup plus que mon bateau
que le bateau qui me précède, car j'étais dans les turbulences. Et là, je remonte trop le vent, donc je décide d'abattre un petit peu. Je clique sur la flèche droite de mon clavier. Et attention, je vais me prendre une pénalité, c'est pas grave. Je suis d'accord de la prendre pour aller, pour me dégager ici et continuer à vous donner des explications sans être trop stressé par les embouteillages. Et surtout, de vous expliquer qu'ici, comme nous sommes trop haut par rapport à la bouée, je peux abattre en grand. Et vous voyez mon bateau qui prend de la vitesse. Bon, c'est un peu particulier au passage des bouées dans ce jeu. On voit un changement de direction du vent. Et entre les deux bouées, il n'y a pas vraiment de possibilité de voir la manche à air changer de couleur. C'est une spécificité de ce jeu. Et là, je percute ce bateau jaune par l'arrière. Je voulais préparer une autre manœuvre pour vous expliquer. Regardez, nous sommes en vent arrière. Nous descendons donc le long de ce parcours. Et ma manche à air n'est pas du tout alignée. C'est-à-dire que mon rendement n'est pas optimal. Le bateau va plus vite. Vous voyez, nous sommes à 6,5 nœuds. Si j'aligne maintenant les deux manches à air, c'est un réglage fin. Le bateau accélère légèrement, mais c'est ce que je vous expliquais aussi et qui me chagrinait avec ce bateau. Je vais quand même essayer de passer la bouée du bon côté, contrairement au bateau jaune qui ne l'a pas prise dans le bon sens et qui doit donc retourner en arrière. Vous avez vu, cela lui fait perdre un temps considérable. Il n'en est pas encore sorti. Bref, aucune raison de frimer pour l'instant. Nous sommes en 10e position. En revanche, vous voyez que je suis bien positionné. Et là, je vois la manche à air qui se dirige sur la gauche, c'est-à-dire qui vient plus en face de mon bateau. Ça veut dire que le vent a tourné et que mon compromis cap vitesse n'était plus optimal. Il était donc temps de virer. Évidemment, le temps que je vous explique tout cela, eh bien, nous sommes un peu en retard, mais ça n'est pas grave. C'est une régate que je consacre uniquement à vous expliquer les avantages de cette fameuse VMG. Il faut le dire au féminin puisque c'est la Velocity Made Good. Si l'on traduit ça mot à mot de l'anglais, eh bien ça veut dire la vitesse qui vous fait du bien quelque part, ou la vitesse optimale par rapport justement au cap du bateau. Donc vous m'excuserez si dans d'autres vidéos je parle du best VMG au masculin. C'est une faute de ma part, je devrais dire la best VMG, mais je parle souvent plutôt de l'outil best VMG, raison pour laquelle il m'arrive fréquemment de le masculiniser. Mais on parle bien de la VMG. Pour être sûr de ne pas se tromper, vous pouvez tout simplement dire le compromis cap vitesse. Et comme ça, personne ne vous en voudra. Et vous voyez que bon an, mal an, eh bien nous avons grappillé une place. Je n'ai pas fait attention. Peut-être que quelqu'un a abandonné. Nous ne sommes plus que 12. Alors là, les bateaux devant nous sont très loin. Il n'y a plus aucune chance de les rattraper. En revanche, il faut essayer d'arriver avant ce bateau vert. Et pour cela, eh bien, je dois être au plus près, là aussi, de mon VMG, de ma VMG, en gardant cette manche à air la plus verte possible. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce en l'air.
Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez lui transmettre le lien direct vers cette vidéo. Et bien sûr, si ça n'est pas encore le cas, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Ça peut aider à ce qu'elle soit mieux référencée sur YouTube et que mes vidéos puissent ainsi être vues par plus de monde. Merci et à tout bientôt. Ciao !